libertine. Ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir les maris, allons nous aimer, on est des braves gens. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai frivole et décadent pour te surprendre. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Bienvenue à vous tous. Bonsoir, mesdames, messieurs. On est là, ben, évidemment, pour vous parler de notre prochain spectacle, Mozart, l'Opéra Rock, dans ce beau théâtre Marigny où tout a commencé un peu avec Dove, Atia, que vous accueillerez un peu plus tard sur scène. C'est une première pour nous de démarrer un spectacle en live et c'est un bonheur de s'attaquer à ce genre, l'Opéra Rock, le genre de prédilection du live. On en avait envie depuis très longtemps, il nous fallait un sujet, c'est celui qu'on a retenu, c'est un peu gonflé, mais on y va, avec une équipe très talentueuse autour de nous, vous allez les découvrir, et avec un casting qu'on a pris beaucoup de soin à retenir. Ce qui caractérise ce spectacle, c'est vraiment la passion de chacun. Tout le monde met son cœur, c'est quelque chose où on est authentique, on fait vraiment ce qu'on a envie, ce que l'on ressent, sans calcul, est-ce que ça va plaire, pas plaire. Non, on fait vraiment ce qu'on a envie. Et donc pour parler, ça a commencé d'abord le projet, l'idée, l'écriture avec mon vieux camarade François Chouquet qui est derrière, avec qui je collabore dans l'écriture du livret, les dialogues, la réflexion. On part sans savoir où meurent les souvenirs, notre vie. Bah, disons que ce séminaire, il y avait un pari difficile parce qu'on a réuni à peu près une dizaine de compositeurs qui sont parmi les plus talentueux qu'on ait en France, les plus innovants, surtout les plus barrés, les plus fous. On s'accroche pourtant au fil de nos désirs. Jean-Pierre, c'est quoi la méthode alors de travail ici dans ce séminaire? Alors la méthode de travail dans ce séminaire, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Non, ça, c'est un peu fait. Non, en fait, chacun a son mode de fonctionnement, sa petite station, et puis quand on est un peu bloqué les uns les autres, ben, on se donne des services. Vous avez opté pour quelle méthode de travail? Nous, on travaille à quatre. Travaille à quatre? Ah, c'est la première fois. C'est un quatuor de compositeurs. Voilà. On verra bien ce qui va sortir. Ça va leur coûter très cher, moi je vous le dis, hein. Demain, tu l'as comme tu veux, ta chanson, elle est super, cette chanson. Ah, j'adore cette chanson. Et il est 10h40. Et nous avons fait une session extraordinaire hier soir jusqu'à 2h45. Et je pense que dès demain, je me mets à la peinture. Ça va, Kaby? Tout le beau temps, la mer, Talasso, les filles, Pépé, tout. Tranquille. On va filmer? Où? Bah, chez toi. Ah, si tu veux, viens. Quand même. Bon, alors je m'en vais. Sur Mozart l'Opéra Rock, l'idée, le but, le pari fou, c'est de créer comme une âme de groupe. C'est-à-dire que tous ces compositeurs, ils devaient se dégager une âme, comme si c'était une entité, un seul compositeur. Au bout de 4 jours, alors ça donne quelque chose. Il y a des bonnes choses, ouais. Mais il n'y a pas que nous. Hein. Il y a tous les gens qui sont là ont sorti des choses intéressantes. Bon. Hélas. J'aime bien le. Ouais.
Donc lui, il s'appelle Olivier Schultes. Lui, c'est un petit jeune que j'ai croisé dans la rue. Il faisait la... Il jouait la guitare, j'ai tiré du caniveau. J'ai dit, tiens, tu joues bien. Par contre, il chante très très bien. Peux-tu nous jouer une chanson juste pour la caméra? Non. Bah, c'est juste pour la télé, pour que les Français écoutent ta voix. Olivier, ouais, il est timide. D'autres, c'est que bah, bienvenue dans la troupe de Mozart, tous les cinq, vous êtes pris. Bravo. Évidemment, vous n'êtes pas doublure, vous êtes dans la troupe. Voilà. Allez. On travaille déjà depuis quelques mois et on est très heureux de vous avoir avec nous. Bravo pour ce casting, vous avez été tous remarquables. Pour certains, bon, on vous a repéré tout de suite, mais évidemment qu'il fallait faire le parcours. On va vivre des belles heures ensemble, des belles semaines, des jolies années même, j'espère. Et encore une fois, bienvenue. Je joue donc le rôle de Constance, la femme de Mozart. Malheureusement, peut-être pas celle qu'il a aimée passionnément le plus, parce que Mozart aimait les femmes et Mozart aimait les divas. Et donc, il aimait bien ma sœur, Aloysia. Et j'y mettrai toute mon âme et tout mon art au service d'Aloysia. Et donc, j'essaye en ce moment de me mettre dans le personnage de Salieri, ou en tout cas de découvrir le Salieri qui est en moi. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas faire un personnage pareil sans y rentrer vraiment dedans. Je joue la sœur de Mozart, donc j'arrête mon boulot. Il s'est avéré que ça avait l'air d'être une évidence pour eux d'un seul coup que j'étais le père de Wolfgang. De temps en temps,
Si vous ne connaissez pas la chanson, je vous fais écouter, bon, si vous connaissez toutes les chansons, on fait écouter 30 secondes, musicalement, pour vous dire qu'est-ce qui illustre à chaque fois. La fête reprend son cours. Enfin pris de rage, il se précipite vers le piano et entend une chanson paillarde, les plus vulgaires en hurlant. Toute l'assemblée est surprise, les femmes ont peur, le tableau se fige. Au bout de quelques secondes, il s'adresse à la cantonade. De l'ordure, de la merde pour secouer vos carcasses, de fatuité et de mépris, voilà ce qu'il faut. Je vous déteste tous, avec vos faux semblants, vos manières de petits courtisans. Tout au long de ce cri de révolte, les invités effrayés vont quitter la scène, laissant le pauvre Mozart seul dans sa lumière, dans la lumière du bal qui s'est assombrie. Parce que là, il est au bout, il a tout paumé, tout perdu. L'amour, sa mère et ses ambitions. Et c'est la fin du premier acte. Celle d'avant aussi, celle-là est clean, sans problème. Je peux te parler là? Oui. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai frivole et décadent pour te surprendre. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te tatoue-moi sur tes murs un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Bon, on fait une prise ou quoi? Ouais. Allez, ouais, on y va. Obscène résonne comme tes vanités, mais quand le rideau tombe, toutes les gloires sont vaines, elles ne mettent personne au monde. Quand le rideau tombe, tu retournes avec tes cendres, elles te s'enfuient. Comme la voix est mortelle, quand le rideau tombe et que les décors s'effacent.
Allez, viens écouter là. Thank you.
rockstar de l'histoire, l'opéra rock s'imposait. Mozart, l'opéra rock, d'abord, c'était osé. Au départ, c'est une folie. Deux ans de préparation assez intense. 36 heures de montage et 24 heures de démontage pour le décor. 56 personnes sur scène, presque autant de machinistes et de techniciens et presque autant de personnes dans l'encadrement, c'est-à-dire une équipe de plus de 150 personnes. Le casting, hein, c'est quelque chose de très délicat, c'est le cœur d'un spectacle. Je crois qu'on a fait un casting plutôt très juste. Avec le recul aujourd'hui, on a réussi notre casting. Je vous vois pas du tout. Je vais vous chanter Janis Joplin sur un playback super pourri. Voilà, c'est comme ça. Et puis ils m'ont demandé même de faire Jacques-Adie aussi, puis la pièce de théâtre, enfin la scène de théâtre. Puis voilà, dans la joie et la bonne humeur, ça c'est difficile parce qu'on voit rien. Enfin, c'est souvent comme ça au théâtre. Et voilà. Réalisé vendredi 13, il n'y est jamais arrivé, donc il se venge. C'est oui, il connaît. Toi qui as le cœur gay, tu as le cœur à lire, moi, je l'ai à pleurer. Tu peux nous dire comment ça s'est passé sinon? Tu l'as ressenti comment l'audition? Très mal. Très mal. Je les ressens. Moi, je suis pas enfin, un mec d'audition, etc. Donc je suis un marathonien, mais c'est vrai que les sprints, c'est pas trop mon truc, donc je saurais pas dire, moi je suis jamais content. Donc, et là j'ai senti très mal. Ah, mais qu'on crève l'abcès ou qu'on crève l'absence, c'est le poison qui coule. Certains, ok, à l'intérieur des ventres, des ondes faisaient couler la coule. Always lost in the sea. Il y a une justesse naturelle, c'est ça. Ouais, la naturelle de Léopold. Émotion égale maturité, hein, putain. Le problème, oh, t'en as vu, vu qu'il était mouvant. C'est rare, hein. C'est qu'ils ont eu du vécu. Ouais. Hein. You like, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me with a making me try? I try to be like Grace Kelly, but all the looks were too sad. So I try a little Freddy, I've got identity, man. Don't you approve?
one who keeps staring around, one who can move. Where are the clowns? Mozart doit être extraterrestre. C'est pas tort. Voilà. Il y a Michel, c'est un peu comme pour toi. Un avenir. Il ne faut pas qu'on puisse l'identifier. Ce n'est pas quelqu'un de trop normal, Mozart. Il faut que ce soit un extraterrestre. Parce que les gens vont se dire, c'est qui là? Il nous faut un extraterrestre. Le seul extraterrestre, il est évident. Mais j'ai pas volé, j'ai tout fait comme tu m'as dit. Mais le rêve, c'est pas lui. J'ai qu'à dire court, j'ai qu'à dire vol. Et pas les jours où je décolle. J'ai qu'à dire court, j'ai qu'à dire haine. J'ai porté, mais tu pars quand même. Il a le charisme. Ben oui, le charisme. Tu vois, les mecs, c'est hyper équilibré. T'as une voix qui est bien éraillée, bien rock de notre ami Michael, et l'autre qui est tout en finesse, avec pureté. Tu vois, les deux, ils ont une voix. Beaucoup de maison. Ça se marie, les deux, magnifique. Tu vois, le duo qu'il y aura à la fin, ce sera un duo mortel. C'est impeccable. Savoir où meurent les souvenirs. Notre vie défile en l'espace d'un soupir. Avant de prendre une décision, il y a une autre étape, c'est la dernière en général, c'est le côté humain. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette petite réunion. Nous avons une réunion à 17h demain pour prendre la décision. Ce que je vous dirais, c'est que demain, parmi vous cinq et parmi les autres, il y aura des gens qui seront déçus. Ce que je veux dire d'autre, c'est que... Bah, bienvenue dans la troupe de Mozart, tous les cinq, vous êtes pris. Déjà depuis quelques mois et on est très heureux de vous avoir avec nous. Bravo pour ce casting, vous avez été tous remarquables. Pour certains, bon, on vous a repéré tout de suite, mais évidemment qu'il fallait faire le parcours. On va vivre des belles heures ensemble, des belles semaines, des jolies années même, j'espère. Et encore une fois, bienvenue. Voilà, vous êtes très beaux et on va vivre des choses magnifiques tous ensemble. Bravo. Bah alors, les filles, tiens, on a... je vous présente Salieri, Mozart, Nader, Aliosia et Constance. Yes. Divine condie de libertine, ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir les maris, allons nous aimer, on est des braves gens. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai frivole et décadent pour te surprendre. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes... Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Ah oui, par contre, bah, merci. Je pense que le, super. Le chanter à l'octave en dessous, ça... Ok, on va attaquer les vocaux. Je vais... Toi, Will. C'est de la félonie. Oh, les gars. Il faut un châtiment. Alors, attends.
on refait le... Depuis le début. Ouais. C'est de la félonie. Il faut un châtiment. Que m'importe les rires et les regards sur mes travers. Ils sont ma richesse, mon étendard. Ils sont ma terre. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te... On cherchait un univers un peu qui revenait aux années 70. Alors, bah, pour nous, les opéras rock, c'était énormément. Bon, il y a eu Phantom of Paradise, il y a eu bien sûr Tommy. Voilà, tous ces groupes mythiques. Donc, on a cherché des chansons dans cette direction-là. Celle d'avant aussi, celle-là est clean, sans problème. Probablement, juste avant, pour pouvoir passer d'un jardin d'orange à Paris, il y aura sûrement le curtain black qui va aller derrière. On ouvrirait là-dessus. Par exemple, hein, Maman et Mozart peuvent arriver par là, descendre. Et sur le premier couplet, Tatoue-moi, il prend cette toile peinte, il fait semblant de la tirer. Elle chute, d'accord. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes... Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Bon, on avait imaginé une fois, donc il pleuvait derrière les colonnes. Hein. Oui. Notre souci, c'est que si on n'a pas la pluie, que Dan, c'est vraiment une porte ouverte pour lui pour faire un super show comédie musicale, bien entendu, il n'y a pas de rendez-vous là-dessus. C'est qu'il y ait des repas, que tout le plateau soit plein de pelotes. Et après, comment on fait pour la suite, c'est emmerdant. Et s'il n'y avait que du vent et du tonnerre. Bah,
Donc lui, il balance la projection de face qui accentue. Avec Gobo, depuis. Sur le tube, c'est ça. Voilà, c'est bon. Et puis, je peux dire une chose, Dani, peut-être comme c'était pas mal ce que tu as dit, parce qu'on peut avoir un système avec les parapluies qui d'un coup, claque, se retourne. On fait croire, et Dani peut faire un truc. Complètement. Par rapport à l'évolution, il ne faut pas oublier qu'au Tatoumois, on doit arriver à la scène de la mort de la mère avec la messe. Oui, bah, moi j'ai travaillé comme ça, voilà. Dove. Donc, on peut démarrer, les parapluies ne sont pas dépliés, ils sont pas ouverts au début. Des images, avec du soleil, au milieu de la pluie, les parapluies ouverts, et ça s'embrise, jusqu'à la messe maçonnique. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Ce qui est important, c'est le bois bien que tu nous dois, qu'on l'ait bien placé. Bois bien plus que tu le dois. C'est bon pour tout ce que tu as. Voilà, ok. Yep. Laissez vos déboires à la porte. Ici, on sait noyer les amours morts. Cœur en berne, grand verre en main, à la taverne de l'art divin. Taisez vos satanées complaintes et chantez donc à la gloire de l'absinthe. Mordicus, trinquez sans peur, Bacchus et Dieu dans ma demeure. Moi je dis, je vais faire comme Mickey. Il a les mains. Viens me chercher, maman, viens me chercher. We are the world. We are the children. On va faire les deux derniers refrains. Directement. On va en faire un directement d'abord à l'unisson. Bois bien plus que tu ne dois. C'est bon pour tout ce que tu as. Bois bien plus que tu ne dois. C'est bon pour tout ce que tu as. Lève le coude, tiens bon la barre. Tout oublié, c'est pas la mer à boire. Bois bien plus que tu ne dois. C'est bon pour tout ce que tu as. Je laisse mes déboires à la porte. Je viens noyer mes amours mortes. Bois bien plus que tu ne dois. C'est bon pour tout ce que tu as. Bois bien plus que tu ne dois. C'est bon pour tout ce que tu as. That's all, super. La mascarade, en fait, c'est censé représenter les rêves et cauchemars de Mozart. Et donc on est censé vraiment être dans sa tête, enfin représenter un de ses rêves, être autant ce qui lui fait peur que ce qui l'inspire, etc. Dan nous a juste lancé des directives sur des chemins et mis en place, réglé, placé. L'essentiel de la chorégraphie sort de nos tripes et ça c'est assez intéressant parce que du coup, peut-être qu'on la vit plus encore, on la comprend encore mieux. Et tout cet univers un peu circassien, clown, rêve et tout, bah, ça sort du lot forcément. Mmh.
Borussia, vous ne me reconnaissez pas, Wolfgang Mozart. Mon Dieu, Wolfgang Mozart. Oui. Alors la répétition à Neuilly, c'était cool. Parce que moi j'ai adoré ce travail avec Armand, qui est vraiment un metteur en scène extraordinaire, dans le sens où il n'est vraiment pas ordinaire. Il est très à l'écoute de chaque acteur, de chaque interprète, des idées qu'on veut lui soumettre. Il est disponible et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, ce qui m'a permis moi de redessiner, un peu redéfinir mon personnage. Je me retrouve avec des scènes que j'adore et toutes les scènes que j'ai dans l'opéra rock sont super. En plus, avec des belles surprises que j'ai découvertes au fur et à mesure que je travaille avec Olivier. Comme la scène de la mascarade qui est complètement félinienne, cauchemardesque. Et depuis mon engagement à l'opéra... À l'opéra ? Oui, l'opéra, je crois que c'est les meilleurs participants. Le bien qui fait mal, c'est dans la tête de Salieri cette fois-ci, et c'est tout ce qu'il envie à Mozart, toute cette jalousie malsaine, ce génie que lui n'a pas. Et pourtant, sa musique est sublime. Et voilà, c'est là pour le coup, c'est une chorégraphie assez poussée techniquement et tout, c'est aussi un gros plaisir à la danser. C'est un peu néoclassique, enfin il y a un peu un pas de deux classique, c'est assez trash même par rapport au costume. C'est du latex, c'est de lanière noire. Et... Prends le plaisir, c'est si bon de souffrir, succombe au charme d'un délire. Mon ange d'âme, écrache son ange et lutte. Vol, 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 c'est mon enfance qui s'en va. On va rentrer dans le palais des sports.
des étoiles dans les yeux et avec excitation comme, des, comme une petite fille qui va rentrer dans une toile de peinture. Je suis impatient qu'on commence à bosser avec tous ces gens-là. One thing, it's clearly a fun thing, but sometimes nothing's better than something. I thought you learned to love me and it got me so excited. I was delighted, usually unrequited. Why should I get what I dream? It's making me scream. When I scheme, it turns out that they're playing for the wrong team. Swarm like black flies, not that a lack tries. If I wink at the wrong one, I could wind up with black eyes. I'm not the problem, it's my expectation. Standards are high like law school entrance examination. Still is, Fred. De nouveau, on a combien de fois ici? Cinquième, hein? Cinquième fois, ouais. 10 commandements 1, 10 commandements 2. Autant l'emporte le vent. Roi Soleil 1, Roi Soleil 2. Non, c'est et Mozart, c'est la sixième saison. Sixième saison. Là. J'ai fait le compte ce matin, on a joué 650 fois ici. Voilà. Ça, c'est la bâche, je sais pas si tu la vois. Donc là, il y a tout le monde, tous les gens qui ont participé, qui est au-dessus. C'est notre chiffre fétiche sur le Roi Soleil. On a le bureau numéro 22 du Palais des Sports. On a joué un 22, on a fait notre conférence de presse, notre showcase un 22. L'album est sorti le 22. On démarre Mozart le 22. C'est un chiffre qui nous suit et qu'on a fini par retenir et par aimer. Alors ce soir vous avez... Et puis on a 22 ans. Non, 22, 44, Richard. Le seul danger d'un spectacle, ce genre de première, c'est le stress. C'est la peur. Le jour de la première showcase de Roi Soleil, Christophe Maé n'avait plus de voix. Ça arrive, c'est le stress. Hein. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis. Je subis cette cacophonie qui me scie la tête. Assommante harmonie, elle me dit tu paieras des délits quoi qu'il advienne. On est tous comme ça et on va faire comme tous les jours, comme on a fait jusque maintenant, 150% de ce qu'on peut faire et ça va aller très très bien. Sur une échelle de 0 à 10 de stress, je dois être à 4. Alors, d'habitude, je suis à 1. Voilà, ça va. Et on est très très confiants, on se serre tellement dans les bras les uns avec les autres avant le spectacle. Et on est conscients de notre force parce qu'on forme vraiment une équipe et une vraie troupe. Et c'est ça qui est sécurisant. Penser l'impossible avant tout. Brûler nos prisons dorées. Oser l'utopie jusqu'au bout. Les fous nous ont fait avancer. Il y a des danseurs, des chanteurs, des comédiens, des musiciens, des accessoiristes, des habilleuses, des machinistes, des ingénieurs du son. La pression c'est toujours le personnage. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui est vraiment difficile. C'est comme un rêve en fait, je suis dans un autre monde quand je suis là, donc je suis vraiment pas con. Perso, j'ai toujours la pression une ou deux heures avant de monter sur scène. Le trouillomètre il commence à descendre un peu là, tu vois. Je pense qu'il va atteindre le niveau zéro dans pas longtemps. Dites-moi le. Dites-moi 10. Ah, alors vraiment, à 40 minutes du début du spectacle, nous sommes dans cet état, c'est-à-dire assez rose, hein, c'est léger. Penser l'impossible avant tout. Brûler nos prisons dorées. Oser l'utopie jusqu'au bout. Seuls les fous nous ont fait avancer.
Si, évidemment que je suis stressé. C'est 2 ans et demi de travail, vous avez la réponse dans 1 heure. Mais je sais que aujourd'hui que ça fonctionne, qu'il y a une magie dans le spectacle. Mais ce soir, à 23h15, selon comment on va réagir au public, je saurai si le spectacle est un succès ou pas. Donc, que tout le monde interrompt ce qu'il fait pour faire la tortue, hein, pour 30 secondes. Ah, d'accord. Alors, et c'est tout de suite, après. Mesdames et messieurs, on vous attend. Restez concentrés, prenez du plaisir. Voilà. Prenez du plaisir. Voilà. Vous avez tous quelque chose à faire, prenez du plaisir. Et tant qu'il y a la sincérité, tant qu'il y a de l'âme et de l'émotion, ça passera. Voilà ce que je veux vous dire. Maintenant, je voudrais qu'Olivier parle en disant ayez le trac. Vas-y, à toi, Olivier, prends la parole. Amusez-vous. On va se concentrer, faire notre minute de silence et après notre chant. La 25e. Allez, c'est parti, c'est moi qui donne le top. Tout le monde, on fait le vide, on ferme les yeux, on se baisse tous, on fait le vide. On enlève toutes les pensées négatives. On enlève toutes les pensées négatives, le vide. Top, c'est parti, le silence. C'est d'abord une sorte de concentration, de vider un peu le stress et puis une sorte de solidarité. Voilà, on est une famille, donc c'est une solidarité. Top! Énorme, il y a une grosse tension. D'un seul coup, on a commencé les mains qui sont moites, commence à se dire putain, mais c'est quoi mon texte. Finalement, c'est un combat quotidien en fait. Tous les soirs, il faut remettre en question, faut remettre le titre en jeu. Le public réagit super bien, il rentre dans les tableaux avec nous tout de suite et ça nous aide en fait à rentrer encore mieux. Je donne tout ce que je peux et je m'amuse sur scène. Je crois que ça, c'est important. Je dors sur des roses qui. Vas-y, envoie doucement et après que tu t'élargis là, tu mais là il m'a foutu, j'ai pleuré quoi. Moi j'ai fait 3 fois qu'il m'a lâché. Ah ouais, donc... Je me suis réveillé dans le personnage et j'ai dit ben voilà, tu vas jusqu'au bout de ma musique, jusqu'à vous. Soit je reste personnage, soit je sais pas qui je suis quoi. Et ça, le danger, c'est que tout le monde avec le track va en force. Et donc au début, ça gueulait trop, et après, hop, c'est parti, c'est réglé. Ils ont bien accueilli, bien applaudi. Ils ont été magnifiques, la salle était debout à l'entraque déjà, ça je crois que c'est une grande première. Toute cette magie, tout ce qui se passe, c'est grâce à des gens qui sont derrière et ce sont des experts. C'est un ballet chorégraphique, donc on les remercie jamais assez. On le voit très peu, il est très timide, je voudrais que vous l'applaudissiez, un grand bravo. D'abord son assistant Mathias Honoré et Olivier Dahan, s'il vous plaît. Merci également pour les chorégraphies de Dan Stewart. Merci à Jérôme Putinier pour toute la direction technique du spectacle. Merci à Alain Lagarde qui signe les décors de notre opéra rock Mozart. Merci à Gigi Lepage pour ses merveilleux costumes. On travaille pour la première fois avec lui et c'est franchement une très belle rencontre. Merci à Jacques Rouvérolis pour les lumières. Cette aventure a commencé par la musique. Ça a commencé par la musique. Voilà, j'ai eu 2 très belles rencontres avec qui on a fait toutes ces chansons. Il y a une véritable âme. Je parle de 2 personnes avec qui on s'est engueulé beaucoup et que j'aime énormément. Jean-Pierre Pilot, Olivier Choultès. Voilà, 2 grands musiciens.
Voilà, Olivier est là-bas, Jean-Pierre doit être quelque part. Et puis, à la composition, il a dû se joindre William Rousseau et Rodrigue Janois, mais William Rousseau qui est là qui a, et qui aussi a la guitare. On a parlé des textes, on a commencé avec Patrice Guirao, et puis j'ai fait la connaissance de Vincent Baguian, une magnifique rencontre. Après, toute la musique classique, je l'ai faite avec François Castello, qui m'a suivi depuis Le Roi Soleil, merci François. Je voudrais maintenant appeler quelqu'un qui nous suit depuis les 10 commandements, quelqu'un qui est mon alter ego, quelqu'un qui est dans l'ombre, qui est un grand monsieur, qui a une plume, qui a un talent exceptionnel. À son poste, c'est sûrement un des meilleurs en France. Je voudrais qu'on applaudisse ce qu'on appelle François Chouquet. C'est un grand monsieur. Monsieur William Rousseau, musique. Je parle des techniciens, des machinistes et des artistes. C'est plus de 160 personnes en tournée. C'est une vie communautaire pendant près de 6 mois. C'est inconnu de vacances. C'est pas qu'on part faire un spectacle. J'ai un minimum de professionnalisme dans cette histoire. Dis bonjour au lieu de travailler comme ça direct. C'est parti, la tournée. Bienvenue dans le Lucio. Les grands retournements sous sa baguette virtuose que le musicien ose. Je veux le sacrement, un air d'opéra rose, la main au firmament et des cœurs qui se superposent en apôtre. Ah.
plusieurs raisons pour lesquelles on répète de nouveau. D'abord, ça fait un mois qu'on n'a pas joué déjà, donc il y a une rupture, donc il faut déjà retrouver le rythme, il faut déjà que tout le monde retrouve ses marques. Certaines modifications sont apportées spécifiquement pour la tournée sur certains tableaux, les modifications de mise en scène à proprement parler. Donc là, il faut les répéter et les raccorder avec l'ensemble du spectacle. Il y a une modification sur la symphonie, où la chanson maintenant se décompose en deux temps scénographiques, quoi. Alors qu'avant c'était, il n'y avait qu'une seule mise, là maintenant il y en a deux, avec un fond différent, avec l'ouverture du décor, avec des danseurs, avec voilà. Ça a quand même été un service complet pour le monter. Hein. Concert de métal et j'en connais quelque chose, c'est quelque chose. Et pourquoi cet aigreur pour les autres poissons si vous n'avez pas peur de mordre à l'hameçon? Tournée, c'est toujours très dangereux parce qu'on a fait une tournée qui est exceptionnelle, c'est la plus belle tournée de tous mes spectacles. Ils dorment dans les mêmes hôtels, ils mangent ensemble, ils font le même spectacle, donc c'est une vraie vie de troupe avec un spectacle itinérant. C'est une troupe un peu dissipée, très rock'n'roll on va dire. Je m'assieds. Je passe, je suis roi de mes rêves, souverain de mes rêves.
sur les jours d'exploitation, on part sur du 120 services, 120 personnes au service. Ça en fait de la patate. Faut aimer la patate. Je suis en train de travailler un petit peu pour essayer de maintenir ma musculature, pouvoir assurer les shows. Je viens travailler 2 heures pour moi avant un show en général. Non mais si on pouvait nous laisser travailler tranquille quoi, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça avec des gens qui passent tout le temps. On peut pas se concentrer. Merde, je me tire. Je sais pas. Les préparations qui commencent 1h45 avant le show. Sabila, Maeva, Flo, enfin d'autres. Moi j'ai Mélissa, Diane. Solal, Diane. On a à peu près à 100 shows, on sait toujours pas qui c'est qui quoi. Au final, ça fait combien de coupes différentes? Il y a 234. Ouais. Voilà. Comment on devient un vieillard chenu. Et tout ça parce que Jocelyne. Parce que Jocelyne est riche. Il vaut bien, regardez, c'est. Elle est sympa, hein. Elle est jolie avec moi. Elle est très cool. On a fait une 70 dates environ sur la tournée. C'est bien, on est dans un rythme de croisière, ça se passe bien. On est toujours aussi hallucinés de voir que le public est au rendez-vous dans toutes les villes, qu'il y a des gens qui reviennent dans plusieurs villes, même si c'est loin de chez eux. Et voilà, on se connaît de plus en plus. Humainement, on crée des liens très forts et puis on s'entend vraiment bien. Et ça, je pense que voilà, ça se passe pas non plus toujours comme ça. Et là, on a vraiment de la chance. Il y a vraiment une énergie de groupe qui est vraiment là. Ça devient quoi une troupe, c'est un peu comme une famille, c'est cliché, mais c'est vrai. La vie en tournée, c'est apprendre à connaître 130 personnes, à vivre avec eux des moments de partage, de boire des coups, et puis de travail, et ça c'est formidable. C'est quand même vraiment devenu une seconde famille. Les techniciens, les comédiens, la prod, tout le monde, c'est devenu une partie de ma famille. Donc des gens avec qui je me sens bien, et me rassure. Mais du coup là on prend vraiment le temps de se connaître et de partager en plus des moments de scène, des moments d'intimité en dehors et puis de fêtes. Bon, j'ai vécu des beaux moments et puis surtout moi ce qui m'a toujours aidé à tenir c'est que j'aime vraiment mon personnage. Les robes, la coiffure, le maquillage, tout. Et ça a été mon principal moteur tout au long de cette aventure. Dio, Dio. Dio, 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 Dio. On arrive le jeudi, on nous met dans notre hôtel, on arrive à la salle, on fait nos spectacles. Tout est en place. Tout est en place. Pareil. Et on repart le dimanche soir ou le lundi. Mais les machinaux, eux, ils enchaînent une vraie tournée. Ouais. C'est ils ça, finissent hein. Une ville, on finit le dernier concert et eux, ils démontent tout, ils mettent tout dans les camions et ils partent tout de suite dans l'autre ville pour tout remonter. Moi, je préfère ça au rythme de Paris où on joue tous les jours. C'est moins soutenu. C'est plus des sprints qu'on fait chaque week-end où on enchaîne 5-6 dates. Là, c'est difficile au niveau de l'énergie. Il faut bien se reposer. Mais après, on a donc ces 3-4 jours de repos. Et c'est pas mal ça. Alors que Paris, on jouait tous les soirs. Et on avait un jour de repos de temps en temps. Enfin, une fois par semaine, on avait un jour de repos. Vous entendez ? Il me répond. C'est lui, Wolfgang Amadeus Mozart, l'homme qui nous a transmis la musique des cieux.
Ça se passe très bien, vraiment très bien. Je pense que déjà le projet et le côté cool et sympa de la prod, c'est deux éléments qui font en sorte que dans les coulisses, ça se passe vraiment très bien. Il y a une vraie ambiance et qu'on est vraiment connectés l'un avec l'autre. Je mange mon fromage quand même, d'accord. D'abord, je mange mon bout de fromage. Oui, j'arrive. Ah là là, quelle vie de saltimbanque, quelle histoire. Je dirais, dans Apocalypse Now, il a été extraordinaire. Ouais. Dans Un tramway nommé Désir, il était apocalyptique. Ouais. Le parrain. Et là, dans Le parrain, si tu veux. voilà. Et alors, là, mais vraiment, son rôle le plus sensible à l'écran et le film voilà. Qui a bouleversé l'Amérique, c'est son apparition dans Julie Lescaut. Ça, c'était extraordinaire. Je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Voilà. Et est-ce que tu peux la faire maintenant la même chose, mais alors, comme ça. Oui, mais alors là, c'est. Je refuse votre demande de congé. Et je vous annonce également la fermeture définitive du Théâtre National de Salzbourg. Ainsi, jeune homme, vous pouvez oublier vos rêves chimériques d'opéra en allemand. Tu seras fier de moi. Je composerai les plus beaux opéras. Et je dirai au monde entier que c'est pour mon père. À la porte, ici on sait noyer les amours mortes. Messieurs les musiciens, voici vos partitions. Bon patron, on la boit cette dernière tournée. Ah oui. Ça suffit. Oh oui maman, nous allons boire mon premier concert ici à Mannheim. Ça, c'est une chanson qui me donne des tournements de tête dès le premier cri que je fais. Et parce qu'avant, je me suis fatigué beaucoup, donc quand j'arrive sur cette chanson, j'ai les tournements de tête. À coup sûr, j'aurai mal. Faut que je m'en aille bien avant qu'il me dévore l'animal. Encore et encore. Thank you.
Jane, à la cuisine. Il n'y a pas que vous essayez, alors. C'est trop ridicule. Merci. Jamais si tu veux pas les coups. Souffrez les abîtres. Soit à la hauteur. Regarde, regarde. Regarde. Pressentiment.
Je vais rejoindre ma sœur qui veille sur lui. Il est trop tard, vous ne rattraperez pas le passé. Mais comment pouvez-vous parler ainsi? C'est mon père. Je lui dois. Sûrement pas votre génie. Bien, alors, que faisons-nous? Qu'attend-il de moi? Que vous composiez une messe des morts. Posez pas de questions. On fait déjà Kadiadi avec les musiciens. Je vais te montrer. Viens. Donc là, je te dis à l'avance, je vais la faire faire. Je vais les faire se cacher derrière le canapé. Je vais leur faire faire un coup de French cancan aussi. Ça vient un coup de French cancan. Vas-y, ça arrive. Vous m'entendez, les gars? Si vous m'entendez, vous levez la main. D'ailleurs, où est-il, celui-là? D'accord. Jacques Adiadi, planquez-vous derrière le canapé. Mais j'arrive super bien. À vaincre sans vertu. Oui, c'est très physique. C'est quand même assez physique, oui, bien sûr. Dès que je m'approche à la scène, je me réveille. Je sais pas pourquoi. Après, quand je descends, soit avant de démarrer, c'est parfois, c'est dur. Après, c'est chaud, je me sens fatigué. Mais je vais recommencer demain, quoi. Bonne nuit après, c'est bon. Il y a une certaine bonne ambiance quand même ce jour de dernière de la tournée 2010. En même temps, c'est très très particulier comme ambiance. On est dehors, on va jouer dehors en plein air, il fait beau, il fait chaud. On a juste un risque d'orage. L'orage nous guette. On ne sait pas si on va jouer ou pas. C'est les annonces de la pluie, de l'orage, peut-être même de la grêle et surtout des vents à 70-80 km/h. C'est impressionnant de jouer à ciel ouvert comme ça et d'avoir. De ne pas avoir une salle qui se finit avec juste la voûte étoilée comme
comme toile de fond, c'est quand même assez, assez beau. Certainement beaucoup d'émotions parce qu'il y a, 200 dates avant. On sait que c'est une première fin, donc c'est une petite, mort en fait. Toute la nostalgie qui commence à arriver et ouais, c'est comme si j'avais revécu une petite vie entière en 5 mois. Ben, s'il y a du vent, ben, tout dépend. C'est des décisions au niveau du préfet, au niveau enfin, des responsables de région et tout ça, parce que bon, ça peut être dangereux pour les gens et tout ça. Donc s'il y a vraiment du vent et de la grêle, ben, c'est tout simplement annulé, quoi. Plus de 6500 personnes, je crois, qui sont chouillants. C'est la DR de la première tournée. On vient de se faire 225 shows après 4 mois de Paris, après 5 mois et demi de tournée. Voilà. Oh, que du bonheur! Du bonheur! Maintenant, comme c'est une troupe entière qui se déplace avec tout ce que ça comporte. Hein. C'est vraiment une famille. On se déplace à 50, Mozart c'est plus de 120 personnes qui bossent une énorme entreprise, ça c'est un paquebot. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous êtes content d'être là? Oui. Eh bien nous aussi. Vous êtes plus de 6500 à avoir répondu, merci pour votre présence. C'est la 205e représentation de Mozart l'Opéra Rock ce soir, pour plus de 700 000 spectateurs. Et pour tout ça, on tenait d'abord à vous remercier au nom de toute l'équipe, au nom de toute la troupe qui attend impatiemment derrière. Voilà, je peux vous dire que tout le monde est impatient, un peu fébrile, ils ont le trac comme un soir de première. C'est la dernière, je m'en branle. Mozart m'a tué. Salieri is dead. Salieri is dead. Ah putain, c'est pas vrai, j'arrive pas à récupérer. J'ai fait n'importe quoi. Hystérique. Parfait. Tout le monde.
merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est un plaisir. Très bien passé grâce à tout le monde, au public, merci. Il y a quelque chose de magique dans cette salle de plein air, avec tout le monde, voilà, avec le ciel étoilé, c'est magique. C'est magique, moi j'ai eu beaucoup d'émotions ce soir. Il paraît que c'est incroyable, c'est un miracle. Il a eu de l'orage partout autour de Nancy, même à 1 km d'où on est, partout, mais à 500 mètres, et la pluie s'est arrêtée par magie, juste autour de nous. Chers amis, vous qui allez regarder ce DVD, je suis heureux que ce making-of vous permette de voir tout ce qu'il y a derrière. Parce que pour vous offrir la magie de ce spectacle, c'est beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de talent, beaucoup de gens qui donnent leur âme, leur émotion et sont tout autour. Merci au public d'avoir fait cet accueil à Mozart, l'Opéra Rock.